Merci. D'accord. Bonne journée. Ciao. Au revoir. Voilà, nous, on se trouve dans la librairie Baudouin. Donc, librairie Baudouin, sur le boulevard de Strasbourg. Une des rares librairies encore disponibles à Aulnay-sous-Bois, puisque ces derniers temps, certaines ferment, hélas, un peu plus au nord. Donc, avec en ce matin pas mal d'activités. Donc, pas mal de clients ce matin. Donc, pas mal d'activités, ce qui est quand même rassurant pour l'avenir de cette librairie. Et je dirais que des librairies à Aulnay-sous-Bois, il y en a plus tellement. Donc avec un choix varié, hein, comme un peu grand pour les librairies. Donc magazines, journaux, presse, papeterie également, très important. Donc, si on a besoin d'enveloppes de papier, des choses comme ça, on peut s'approvisionner ici. De la carterie. Alors, en effet, avec des cartes d'Aulnay-sous-Bois, c'est très particulier. Cartes d'Aulnay-sous-Bois. Alors, j'aime me détendre à Aulnay. Je t'écris d'Aulnay-sous-Bois. La vie est douce à Aulnay-sous-Bois. Donc, des cartes vraiment bien atypiques, hein, que l'on ne trouve qu'à Aulnay-sous-Bois. Qu'ici, je crois. Qu'ici, d'ailleurs. Allez-y. Présentez-vous, donc librairie Baudouin. Oui, librairie Baudouin, je suis Sylviane Baudouin, je suis là depuis, ça fait 8 ans au mois de septembre. Je viens de refaire tout le magasin cet été pour le moderniser un peu, parce que le magasin existe depuis très très longtemps à Aulnay, il doit avoir plus de 80 ans à l'origine, ce magasin. Bon, il a connu plusieurs modifications, dont la dernière cet été, l'avant-dernière datait de 1970 environ. Voilà. D'accord. Donc en termes de au niveau clientèle, est-ce que c'est une clientèle essentiellement aulnaysienne ou vous rencontrez également... C'est essentiellement aulnaysien, des gens aussi quelquefois de Sevran, Bondy, puisqu'ils n'ont plus de papeterie notamment, ou de librairie, ou de points où on prend les commandes de livres scolaires, et puis des produits qu'on ne trouve plus beaucoup ailleurs ou qu'on ne trouve plus du tout en grande surface, comme les registres hexagontales et... Des choses que moi je commande spécifiquement, l'hexaconta par exemple, il existe un grand nombre d'enregistres. D'accord. Et donc on peut les commander au coup par coup chez le grossiste, donc ça reste intéressant à ce niveau-là. Donc les activités se maintiennent, voire augmentent, vous êtes... La presse a des difficultés à se maintenir, d'accord, mais c'est général. Le fait d'avoir refait le magasin, ça m'a permis de redévelopper un petit peu le livre et la carte postale. D'accord. La papeterie est stable. D'accord. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, les dents qui courent. Oui. D'accord. Merci. Merci. Merci.